Bonjour, Nicolas Jacquet, réalisateur de Peau de chien, un film sélectionné à court-métrage 2013 qui raconte l'histoire d'un ogre qui poursuit un chien qui tente d'accéder à l'humanité dans une société qui se referme. Les personnages ont été animés sous banc-titre sur un fond bleu, en photo découpée. J'utilise des photos d'humains que je retravaille légèrement mais que je découpe et ensuite je les anime directement sous le banc-titre. Sans prendre des rotoscopies ou des choses comme ça pour que j'ai une anime un peu cassée, mais comme je suis un technicien en animation, je sais animer. Donc j'arrive à animer comme ça sans filet. Et ensuite les vidéos en fait, que j'obtiens ont un fond bleu, j'élimine le fond bleu et j'intègre le tout en faisant du compositing sur ordinateur dans des décors que je photographie ensuite. Donc j'anime d'abord à l'aveugle, vraiment à l'aveugle. Alors, j'ai bien sûr mon storyboard où j'ai une mise en plan, hein, donc je sais quelle trajectoire le personnage va avoir, quel est exactement le sens du plan donc dans son acting. Et ensuite, une fois que j'ai toutes ces scènes sur fond bleu, c'est-à-dire presque aveugle au niveau décor, je fais la chasse au décor. Et ça me permet de composer des décors un peu différemment que s'ils étaient construits d'abord et que le personnage évolue déjà dans le décor. Ça me permet de déstructurer un peu les décors de temps en temps, de plier le monde qu'il y a autour des personnages, justement pour créer le côté étrange qu'il y a quelquefois dans le décor. Les acteurs, je prends des... c'est très préparé, c'est presque allemand comme méthode, c'est vraiment très, très rigoureux. Je prends d'abord des photos, bon, j'écris d'abord l'histoire, je fais un storyboard très précis, duquel je m'éloigne pas trop en général. Et une fois que j'ai ce storyboard, j'ai donc les positions des personnages, exactement le matériel que je vais avoir besoin d'avoir. Donc je prends des photos des personnages, sous toutes les coutures, les perspectives qui m'intéressent ensuite. Une fois que j'ai ces photos, je mets les photos dans Photoshop et je tire des planches contact avec tous les éléments que j'ai photographiés, parce que j'ai besoin de plusieurs yeux dans différentes positions, plusieurs positions de visage, plusieurs éléments de peau, des trucs comme ça. Donc après, je compose des planches contact qui vont être attribuées à chaque plan pratiquement ou à chaque personnage dans chaque séquence. Voilà. Une fois que tout ça est bien classé, je peux commencer à attaquer l'animation. Et l'animation, bah, c'est une immersion dans une technique qui est lourde à déplacer. Donc il faut un peu avoir des éléments très très préparés à l'avance pour pouvoir se libérer complètement dans l'animation. Et laisser les choses sans décor comme ça, en vraiment en pensant à chaque plan, à chaque sens dans le plan, chaque personnage doit vraiment être le plus efficace possible dans l'animation. Je recommence jamais des animations et je suis toujours assez étonné de l'animation que j'obtiens parce que je contrôle pas vraiment quand j'ai un mouvement en tête. Même si j'ai une trajectoire, elle change au cours du plan, ça vit tout seul quoi. Et c'est assez bien. C'est pour ça que mes décors je les fais pas avant en plus parce qu'ils risqueraient d'aller un peu ailleurs. Donc ça introduit un peu des cassures, des côtés un peu vivants, un peu plus imprévus. Bah, c'est jamais imprévu un film d'animation, c'est toujours hyper, hyper maîtrisé. Donc moi ça me plaît que moyennement. J'aime bien le côté accidentel et c'est un peu gadget de dire ça parce que comme on prépare vraiment tout, mais au moins là, en passant 10 mois à animer, t'as l'impression de donner de l'air quand même. Parce que si c'était vraiment hyper structuré avec des poses clés, des rotoscopes, des machins comme ça, ce serait l'enfer, quoi. Je pourrais pas le faire. Il faut vraiment que j'ai cette partie de laisser aller complètement. Ça peut paraître bizarre, mais vraiment, ça sort tout seul, quoi. Non, pas du tout. Par contre, oui, je mets en cohérence le traitement graphique du scénario que je voulais être très, très noir, en noir et blanc, parce que je me suis inspiré des cinéastes expressionnistes, et aussi très froid, en utilisant de la matière qui est de la pierre, du papier découpé très tranchant, très tranché, enfin, c'est assez sharp. J'aime bien bosser sur le corps, j'adore les cordes, c'est un truc qui m'obsède un peu. J'ai d'autres obsessions, c'est un peu l'extrême droite. Je sais pas si on a le droit de le dire. On a le droit de dire extrême droite? Bon, bah, extrême droite, extrême droite. Donc ça, c'est des obsessions. Là aussi, tout ce qui est en rapport avec le travail de Boltanski, tout ce qui est historique, toutes les, tout, toutes les, toutes
toutes les œuvres des artistes allemands des années 30 m'intéressent beaucoup, je consulte beaucoup, je regarde beaucoup ces œuvres-là, ça me plaît beaucoup, je me reconnais beaucoup dans ce travail. Donc quand j'écris une histoire, c'est plus par rapport à une perception du réel, j'ai vraiment envie d'approfondir une perception que j'ai de la réalité, et puis je me sers un peu de toutes mes, pas mes obsessions, mais tous mes centres d'intérêt, que ce soit donc historique, artistique, voilà, pour les réunir et consolider cette idée. Voilà. Après, il y a une forme narrative que je trouve, mais je consolide tout ça, les formes narratives, par des documentations dans l'actualité. Hein. On a traversé, j'ai mis 4 ans pour le faire. En fait, il y a 4 ans, la situation n'était pas comme elle est maintenant, mais bizarrement, voilà, ça résonne toujours de la même manière. Donc ça m'intéresse beaucoup, que la réalité elle soit toujours un peu en écho avec mon travail. Et puis graphiquement, bah, je consolide en fait par les références que j'ai naturellement, parce que j'ai fait des études en histoire de l'art, et puis j'ai des centres d'intérêt qui sont plutôt portés vers les artistes russes, dans l'écriture, dans la littérature. Et puis j'ai des centres d'intérêt qui sont portés vers les artistes allemands dans les arts graphiques. Donc tout ça se réunit, bon, j'ai pas que ça, hein, mais... Là, voilà, vu mes intérêts pour ces choses-là précisément, je peux les réunir dans ce travail-là et je m'en sers comme d'une force. Alors ensuite, sans que ça se voit spécialement, hein, on ne voit pas spécialement des références directes et appuyées à tous ces trucs-là, mais ça traverse fortement. Et, voilà. Mais ça reste quand même peut-être invisible si on ne le dit pas. Voilà, c'est... J'aime bien quand les choses restent assez simples, assez directes, qu'il n'y a pas trop de « oh, c'est du boulot, oh là là, il a travaillé, oh là là, on voit que c'est machin truc, oh là là, il a fait ça. » J'aime bien que ça reste très comme ça, comme une bille qui va rouler, puis voilà. Il y a 4 ans ou 5 ans, quand je recevais les informations, enfin la vie courante, voilà, j'étais plutôt inquiet, plutôt étonné du changement, enfin du glissement qui s'opère doucement, des choses que j'aurais pas entendues à l'âge de 17 ans, que j'entends maintenant, des choses qui sont admises, alors qu'il y a 30 ans, on aurait dit mais non, c'est un scandale. Bon. Petit à petit, bon, alors, le monde change, c'est pas les mêmes enjeux, etc. On peut dire tout ce qu'on veut, moi je m'en fous, mais j'avais envie de traduire ça par une espèce de photographie. C'est bien sûr, c'est une photographie, on peut se placer dans un endroit, on peut orienter. Mais n'empêche, c'est quand même la matière, c'est quand même une matière un peu réelle. Quoi. Je ne prends pas une photo de n'importe quoi. C'est quand même, il y a une certaine part de réalité. Ça se fait sur une longue période, donc ce qui est étonnant, c'est que maintenant, ça résonne encore. Je me disais, bon, quand je l'aurai fini, ça sera calmé. Quand Hollande a été élu, je me suis dit, voilà... Bon, c'était anecdotique, on va dire. Mais en fait, non. Donc c'est ça qui est... Ça me plaît assez, en fait, que ça soit encore un peu vivant. Enfin, ça me plaît, non, mais je veux dire, c'est étonnant. Donc voilà, c'est là où je me dis que je suis pas trop à la ramasse dans le résultat. Là, que le film fait encore écho... Ouais, disons que... pas écho, mais il reste dans le réel, ouais. Mais pas, c'est pas alarmant, c'est pas des leçons, c'est pas, voilà, mais ça reste une photo, c'est ce que je voulais faire, voilà. C'est vraiment un témoignage. Pas de questions, pas de réponses, c'est basique, quoi. Et je me sers donc des références que j'ai dans les artistes des années 30, parce qu'il y a des correspondances, bon, alors ça peut être facile, souvent on entend des gens qui parlent de ça, et qui font des raccourcis très rapides, crise, machin, bidule... C'est trop facile, hein, c'est pas aussi simple. Mais n'empêche, artistiquement, c'est une période très intéressante parce qu'il y a eu un rejet de la part des artistes, comment dire, qui traitaient justement de la montée du nazisme. Il y a eu un rejet aussi de la part envers leurs œuvres, hein, qui étaient considérées comme de l'art dégénéré, monstrueux. Et j'aime bien approcher aussi ces choses-là. C'est pour ça que j'aime bien que mon film ait une part de dégoût qui mette un peu mal à l'aise. Tu vois, c'est ce que je recherchais aussi. J'aime bien tous ces trucs-là, parce que tout le monde cherche à faire des films beaux, séduisants, surtout en animation. Il faut quand même essayer d'être
d'être assez, c'est assez lisse, hein, les films en 3D, les trucs comme ça. Et j'aime bien pas avoir ce côté lisse et avoir ce côté vraiment tranché, rugueux, un peu avec beaucoup d'aspérité, comme ça, ça me plaît. Donc c'est aussi, je me sers aussi de cette histoire-là pour prendre position, quoi. Avoir un truc un peu avec une odeur par rapport à d'autres choses qui sont peut-être plus, plus polissées, plus lisses. Je me sers vachement du numérique et j'ai fait des films avec que du numérique. Et c'est pas cassé, quoi. J'aime bien les trucs qui sont un peu cassés. C'est les films en 3D inventent des choses cassées, inventent des accidents. Ils ont des logiciels maintenant pour qu'il y ait des poussières, des machins. Les gens cherchent ça vachement, même dans les marionnettes, on cherche à casser un peu les choses. Donc, mais c'est pas, tu vois, c'est pas vraiment. J'aime bien quand c'est vraiment tranché, quoi. C'est vraiment, on casse tout, quoi. On casse quelque chose vraiment. Et mais je peux pas dire que je me sers pas d'informatique, je pourrais pas. Ça te donne une puissance de travail. J'aurais pas pu faire ces films avant parce que ça suppose d'avoir une multiplan avec genre 5 vitres, des animations multiples. C'est impossible de travailler et de produire un résultat tel qu'il est dans ce film-là avec une méthode traditionnelle. Tout seul, tu peux pas le faire. Donc l'informatique, il faut s'en servir, voilà, mais il faut garder. Il ne faut pas que tout sorte du ventre d'un ordinateur aussi, parce que c'est un peu flippant. Hein. Mais n'empêche, voilà, il existe quand même pas, il reste des marionnettes, mais les mouvements n'existent pas, ils ne sont pas sur de la pellicule. Bon, qu'est-ce qui reste en vrai? Il reste des marionnettes, puis le film c'est des algorithmes, tout est. C'est pas terrible, quoi. Chacun travaille comme il veut, mais moi j'aime pas mes marionnettes. Je les aime pas, j'ai pas d'amitié, je les aime pas, je veux dire, j'ai une relation d'homme à homme, quoi. Enfin, j'essaye d'être, tu vois, d'avoir un dialogue plus que. Ouais, j'essaie de me détacher vraiment. Enfin, c'est peut-être. Là, on va dire, il ment, ou, tu vois, mais vraiment, je pense qu'ils me plaisent pas, quoi. Ouais, ils me plaisent pas. Je les trouve pas beaux, pour, tu vois. Je trouve pas très beaux, quoi. Parce que, voilà, à l'origine, c'est pas. Voilà. Mais souvent dans les films d'animation, on est tenté à faire quand même attention à son matériel, à le mettre un peu en valeur, tu vois. Par contre, dans mes plans, je fais attention à ce que ce soit esthétique, parce que je pars d'une esthétique précise. Donc je cherche à respecter quand même, tu vois, que ce soit pas baveux ou mal maîtrisé, mais c'est sûr que c'est quand même du cinéma, tu vois. Dans l'intention pure sur le travail d'animation, je fais très attention à pas avoir d'amitié ou d'amour pour mon travail. Je fais 25 minutes d'anime, j'en garde 12, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui font comme ça, je sais pas. Mais bon, on ne parle pas souvent de ça, en fait, entre nous. Mais c'est vrai que c'est dur de pas être très intime avec sa création, tout ça. Bon, moi, je suis pas. Non, c'est plus des ennemis, presque, à la rigueur. C'est des parties que j'expose et que je vais chercher dans des endroits qui ne me plaisent pas forcément, tu vois. Je vais chercher plutôt en moi les choses. Et c'est des fois des côtés qui me. C'est des côtés qui me plaisent pas trop. Hein. J'invente rien, hein, mais j'essaie de voir honnêtement ce qui motive mon travail. Et je vais pas chercher très loin. Hein. Quand je réfléchis à une idée, je vais aussi d'abord regarder ce que je ressens, ce que je ressens pas, vers quoi je suis, ce qui m'interpelle, ce qui fonctionne, ce contre quoi je suis obligé de me battre. Voilà. Donc ensuite, la marionnette, elle va traduire un peu ces trucs-là, et c'est pas. En fait, c'est pas miraculeux de pas trop aimer, quoi. Ouais. Et que du coup. J'ai joué avec les codes de l'animation, avec le chien, hein, tu sais, les grands yeux, tout ça. C'était un peu volontaire de jouer. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et donc, j'ai joué avec les codes de l'animation, parce que souvent, dans les mangas, pour rendre un personnage sympathique. On grossit les yeux, tu vois, on fait des choses comme ça, des trucs. C'est des codes avec lesquels je joue, mais j'ai pas d'amitié ou d'amour particulier. Vraiment. Ah, très, très. Bah voilà, j'étais à la conférence sur les monstres là, et en fait, on est en plein dedans. Je vais travailler sur un monstre. Voilà, alors encore un exemple, là, je ne pourrais pas aimer ma marionnette, donc carrément pas. Et ni aucune des marionnettes qui sera dans le film, donc bon, on verra ce que ça va donner. Pour l'instant, j'ai écrit tout et j'ai pas de. Je commence l'animation, voilà. Et l'animation sera très, très retenue. Je retiens beaucoup mes gestes.
Voilà. Je suis assez concentré en fait avant de commencer l'animation parce que c'est toujours, toujours peur de me planter quoi. Surtout que le sujet est assez choquant et comme la matière là, la matière du racisme, et voilà, c'est un peu difficile. Donc c'est un peu plus difficile même sur le prochain parce que je rentre plus dans le choc frontal avec le spectateur parce qu'on s'identifie vachement hein, dans un film où on cherche à accrocher le personnage et forcément là il y aura des aspérités mais on pourra pas les toucher quoi, ça va être on va voir. Et j'ai essayé de l'animer un peu comme s'il y avait une psychologie un peu derrière, tu vois, de penser à ce qu'il aurait pu être, à ce qu'il aurait pu vivre, ça peut paraître débile hein, ce que je dis mais je vais essayer de faire en sorte qu'il y ait un petit plus quoi, que ce soit pas seulement une marionnette en fait, j'aimerais bien que ce soit qu'il impressionne un peu plus, tu vois, qu'on l'invente vraiment, tu vois, qu'on ait vraiment peur de lui. Pas que ce soit la forme, il est assez banal. Et puis il y a une autre marionnette qui doit être un peu elle, qui doit verser dans le surréalisme un peu, parce que je travaille toujours à partir d'artistes comme ça.